Bonjour à tous, bienvenue à Tallinn en Estonie. Ça fait à peu près 24 heures qu'on est arrivé. Là, on est jeudi, tout début d'après-midi. Le voyage s'est plutôt bien passé. Le vélo est arrivé entier. C'est toujours un peu la hantise lorsqu'on voyage comme ça en avion avec le vélo. Ce qui était assez marrant, c'est que j'ai croisé dans l'avion Tristan de la chaîne Iron Human. Tristan, si tu nous regardes, bonjour à toi. On a aussi fait un petit bout de course à pied hier soir ensemble. On s'est croisé encore une fois par hasard dans la ville qui n'est pas finalement si énorme. Et aujourd'hui, ce matin, donc après un petit déj, l'idée c'est de commencer à manger pas mal de carbs, déjà un petit peu hier soir, aujourd'hui et surtout demain, je me suis dirigé vers l'Expo Ironman pour tout ce qui est registration, récupérer les dossards, le matériel, le sac, qui est pas mal pour une fois. Et voilà, après lunch, des pâtes classiques. Là, je vais pour 1500 mètres de nage dans la piscine qui est juste par là-bas. Je crois que c'est la seule piscine de 50 mètres en centre-ville. Et l'autre option, c'était dans le lac, mais il est à peu près à 10 km, là où on va faire la natation, à 10 km du centre-ville. Et l'eau est à 17-18 degrés, donc ça faisait moyennement envie pour aujourd'hui. Donc là, juste 1500 mètres de nage tranquille. Après ce soir, ça sera à nouveau 8 km de course à pied. Pareil, tranquille, avec quelques accélérations, juste histoire de garder un peu de tonicité dans les jambes. Et puis demain, ça sera finir de monter le vélo, aller faire un tour de 40 km. Et puis, ça sera l'heure d'aller faire le check-in pour le vélo et de le laisser pour la course. Moi, je vais nager. On se retrouve plus tard. On est vendredi matin, je vais aller faire un petit tour de vélo de 40 km histoire de reconnaître un peu le parcours vélo. Je vais finir d'installer tout ce qu'il faut sur le vélo et comme l'idée c'est de ne laisser aucun élément au hasard, je vais installer cette chaîne Ceramic Speed qui est une chaîne en fait qui est optimisée pour fonctionner avec ça et qui donc normalement ne nécessite pas d'être lubrifié. Le seul problème c'est que demain il prévoit de la pluie et ça je sais pas vraiment comment est-ce que ça va marcher avec. Donc la chaîne elle est toute neuve, j'ai pas la chaîne pour l'ancienne chaîne en fait pour la mesurer. Donc du coup je vais vous montrer vite fait comment est-ce qu'on fait pour installer une nouvelle chaîne. Alors, je vais poser ça comme ça. Lorsqu'on n'a pas la chaîne de référence. Donc je vais sortir déjà tout ça de la boîte. Alors l'idée en fait c'est de la faire passer sur le plus grand pignon. Alors ça en met un petit peu partout, hein. C'est assez dégueulasse. On nettoie après. Le plus grand pignon et en fait après bon, le plateau comme vous voyez il y a des comme c'est un simple plateau j'ai rajouté ça pour tenir la chaîne mais normalement il y a des dents, il y en a des plus larges et des plus fines et donc ça doit caler avec les espaces sur la chaîne. On en a certains qui sont plus larges et d'autres plus fins. Et en fait l'idée c'est de faire coïncider sur l'autre côté de la chaîne un maillon donc comme ça qui est à l'extérieur avec donc un bout de la chaîne également à l'intérieur bon, auquel on pourra le connecter donc en tendant la chaîne. Voilà donc celui-là il est un peu tendu donc ça colle pas directement et on n'aurait pas pu le connecter parce que c'est un maillon extérieur donc il aurait fallu celui-là et en fait on va en rajouter deux, un et deux et donc c'est au niveau de ce maillon là qu'il va falloir couper la chaîne. Alors, on va juste serrer, tac, et voilà, et on a, voilà, il est parti, je sais pas où. Okay, cette pince-là, pour écarter la chaîne
au niveau justement des maillons. C'est aussi l'outil en fait qui permet après de défaire la chaîne. Okay, donc c'est ce que... Voilà. Hop. Et voilà. Là, j'ai fini de préparer le vélo. Ce matin, je fais 40 km. Donc, les routes sont assez correctes. Le seul problème, bah, c'est le vent. Il est assez fort. On était à peu près à, je crois, 26 km/h aujourd'hui. Demain, ça devrait être un petit peu moins, mais bon, ça va quand même assez souffler. De face, bon, ça ralentit juste. Dans le dos, c'est pas un problème. Le problème, vraiment, c'est quand on l'a en travers, parce que là, clairement, avec le profil de roue avant que j'ai assez haut, de 8 cm, bah, ça souffle beaucoup, donc c'est assez dur à tenir. Et quand tu as des rafales, bah, ça peut être assez surprenant. Donc, j'ai fini de préparer le vélo. Je vais vous montrer ça. Juste retourner la caméra. Voilà. Donc, tout est prêt. La chaîne, le numéro 149. Et puis, voilà. Bon, ça va pas rester dessus naturellement. J'ai aussi donc préparé les deux sacs, le bleu et le rouge, pour donc la première transition. Juste à mettre le casque, le dossard avec le porte-dossard, facile. Après, tout ce qui est gel et autres chaussures, c'est-à-dire directement sur le vélo. Pour la deuxième transition, donc le sac rouge avec les Alpha Fly, les chaussettes pliées à l'intérieur, prêtes à enfiler, une casquette, paire de lunettes. J'ai fait des nouvelles Oakley qui sont assez sympas. J'aime bien la couleur. Hop. Et toujours le petit sac congélation pour mettre les gels. Donc j'en prends 6, grosso modo un chaque demi-heure. Et donc la casquette, les lunettes, les gels, ça va aller là-dedans. Comme ça, j'enfile les chaussettes, les chaussures, je pars direct avec ça dans la main. Et puis je finis de me préparer pour le marathon en courant déjà. Donc je finis de préparer tout ça et après je prends direct la direction de la T1 pour lâcher le vélo, les deux sacs. Et après, bah, ce soir, ça sera dîner et coucher assez tôt. Ok, donc voilà, je viens juste de déposer le vélo qui est juste là. Donc je l'ai couvert un peu pour protéger tout ce qui est plateau, la chaîne, derrière, tout ça pour la nuit, parce que en gros, bah, ils ont prévu de la pluie à partir de 6h du matin, donc avant que la course commence. Ça serait dommage que ça fonctionne pas comme il faut à cause de ça. J'ai aussi juste là-haut, moi, j'arrive pas, dyslexique visiblement, juste là-haut protéger les handlebars. C'est plus pour tout ce qui est système électrique, ça pose pas de problème non plus avec la pluie. Le reste, a priori, ça devrait pas poser de problème. Généralement, je dégonfle aussi les pneus. Là, je l'ai fait, mais bon, c'était pas super utile parce qu'il fait pas si chaud que ça finalement. Mais généralement, c'est pour éviter que ça explose. Il est 5h48, donc je vais tranquillement prendre la navette pour retourner en ville. Après, ça sera juste repos, un dîner, pizza au thon comme d'habitude. Et puis après, un repos jusqu'à demain, levé 3h30, parce qu'en gros, bah, la course démarre à 6h30. Donc généralement, je me lève toujours 3 heures avant, histoire de me préparer, prendre un petit déj, avoir le temps de le digérer, et puis voilà, pouvoir envoyer du lourd dès le départ sans avoir de problème de digestion. Bon, bah, il ne reste plus qu'à. Moi, je vous dis bah, après la course, on verra ce qui ressortira, sub 9h ou pas, qualification pour Kona ou pas, décès ou pas, on verra. Allez, ciao! Bonjour à tous, 4h30 du matin, je vais donc je suis prêt, la pompe, le sac avec tous les vêtements. Dans le dos, là, j'ai tout ce qui est liquide, donc j'ai préparé tout ce qui est Morten qui va aller sur le vélo. Et ce que je vais boire un petit peu avant aussi, généralement je bois un sachet de Morten, histoire de refaire le plein de carbs après la nuit. Et une demi-heure avant le départ, je m'envoie aussi c'est le matin, j'arrive pas à parler, un petit gel Morten. Mais comme ça, quand je pars pour la natation, généralement je suis au top. Donc là il est 4h30, la ville est déserte en fait. En tout cas là où je suis, c'est désert. Personne. Et donc je me dirige vers le bus qui nous emmène en fait à la T1. C'est à 8 km en gros, je crois que c'est au sud,
de la ville, donc au lac où on va faire la natation, sachant que la T2 elle est au bord de mer ici en ville. Donc on y va tranquillement, il y a 2 heures encore avant la course, je voulais pas être en retard, je vais avoir le temps de pouvoir faire les derniers réglages sur le vélo, et puis c'est surtout de l'incertitude par rapport à est-ce que ça va être blindé ou pas pour choper le bus, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir le prendre. Donc voilà, pas de risque, on va arriver à l'heure. Allez, à toutes. Bon, apparemment je suis arrivé un petit peu tôt, juste personne.